Il y a plein, beaucoup d'histoires de gens qui reviennent avec Mais leurs enfants une fois, hein. Il faut c'est que tu vives complètement ça. dingue. Bien sûr, le père avec son fils, le grand-père avec son petit-fils. J'ai connu ça avec un Corse qui est venu 10 fois avec son petit-fils. Il avait 18 ans la première fois. Mais moi, je trouve que c'est magique de pouvoir partager ça, une aventure comme ça avec son père ou avec sa mère ou avec son grand-père, de vivre des moments que la vie ne nous donne pas au quotidien. Parce que là, on partage tout. On est dans la souffrance, on est dans le soutien. Au bivouac, et ben voilà, on s'entraide, il y a de la solidarité avec tous les compagnons de tente. Mais ça me Ça fait doit être penser formidable, également ça. à Frédéric de la Nouvelle avec sa fille de 16 ans là, sur le 36e. Oh, c'était à Ah, 6 heures j'avais du suivi matin, leurs je les ai vus aventures. arriver la main dans la main tous les deux avec le lever de soleil au CP6. On était tous crevés, mais j'avais tous les deux se prendre dans les bras. C'était des moments d'émotion extraordinaires. On avait tous les larmes aux yeux, quoi. C'est aussi ça le marathon des sables. C'est les émotions intactes que nous donne le désert.